ManyChat vous permet de créer facilement des publicités sur Facebook qui vont vous renvoyer vers votre chatbot. Vous cliquez sur l'onglet Growth Tools et puis Ads. Ensuite, vous cliquez en haut à droite sur Create New Ad. Vous sélectionnez le compte sur lequel vous voulez payer vos annonces. Et ensuite, vous créez une nouvelle campagne. Donc, vous pouvez créer une campagne pour des messages ou alors pour générer du trafic. En l'occurrence, là, c'est pour générer des messages. Donc, on va changer le nom de la campagne. Et on peut paramétrer une limite maximum de dépenses en euros. Cliquez sur Continuer. Donc vous allez créer une nouvelle annonce de clic sur Messenger et vous allez la nommer. Vous pouvez inclure ou exclure des audiences. Sélectionnez l'âge minimum et l'âge maximum. Choisir le genre, homme, femme ou les deux. Et la localisation où la publicité va être diffusée. Dans le langage, choisissez français. Et dans le ciblage, vous allez pouvoir choisir des intérêts communs. Dans le premier onglet, vous pouvez choisir plusieurs intérêts qui sont choisis avec un « ou ». Donc ça sera « Bodybuilding Fitness » ou « Fitness Girl ». Par contre, dans Narrow Further, vous allez pouvoir cliquer d'autres intérêts, mais qui sont séparés par un « et » au lieu d'être séparés par un « ou ». Cliquez sur Next et dans le prochain onglet, vous cliquez sur Messenger. Vous pouvez choisir un placement automatique ou dans Edit Placement, vous pouvez enlever Instagram et puis aussi Marketplace. Donc vous allez sélectionner un budget journalier. Vous pouvez commencer assez petit, le plus petit possible, et puis monter au fur et à mesure, suivant les résultats. Cliquez sur Continuer. Et maintenant, vous allez créer votre publicité. Donc vous pouvez insérer soit une image, soit une vidéo. On va insérer une image. On va insérer le texte qui se trouve en haut de l'image. Le titre. Et une description. Dans le bouton, vous allez pouvoir choisir différents appels à l'action. Cliquez sur Next. Ensuite, vous devez rédiger le message que recevra votre visiteur lorsqu'il sera dans votre Messenger, dans votre chatbot. Bien sûr, vous allez créer un bouton pour lui envoyer son coupon.
Vous allez pouvoir lui envoyer soit un lien web ou alors l'envoyer directement sur un flow, une séquence. Et dans la séquence, on va aller sélectionner une séquence que l'on a déjà créée. Vous pouvez prévisualiser votre annonce et l'envoyer sur Facebook pour qu'elle soit directement publiée. C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation de ManyChat dans la description de la vidéo YouTube qui vous permet d'avoir un mois gratuit en version pro. Et abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo.